Bonjour à tous. Le film commence avec un jeune homme arrogant et riche nommé Salar en compétition avec sa collègue détestée nommée Rachel. Salar gagne le combat contre Rachel et obtient une grosse somme d'argent. Dans la scène suivante, Zoni apparaît, qui se préparait pour son premier jour à l'université et sa mère la bénissait. Et le père de Zoni lui dit que Monsieur Zahar, qui a assuré le paiement de ses frais de scolarité, l'emmènera avec lui à l'université et la présentera à tous les professeurs. Pendant ce temps, la mère de Salar arrive avec une barre chocolatée pour son anniversaire, mais il s'énerve contre elle et lui reproche de l'avoir abandonnée quand il était jeune et ne se souvient de lui que le jour de son anniversaire. La mère de Salar lui demande de lui pardonner mais il se met à pleurer et lui demande de ne plus venir lui rendre visite. Dans la scène suivante, l'ami de Salar lui dit qu'un de ses amis se bat avec un groupe de jeunes hommes et Salar court pour aider son ami et pendant ce temps, Zoni se tenait avec Rachel, qui semble être le fils de Monsieur Zahir. Rachel propose à Zoni de l'aider à se familiariser avec les départements de l'université mais elle refuse et part seule et en chemin. Zoni se heurte à Salar qui l'aime à première vue mais Rachel intervient et essaie de l'éloigner de lui et après cela, Salar a continué à penser à Zoni tout le temps. Nous nous tournons vers Zoni qui raconte à sa sœur tout ce qui s'est passé avec Salar mais sa mère l'entend et l'avertit de ne pas tomber amoureuse. Zoni promet à sa mère de se concentrer uniquement sur ses études. Dans la scène suivante, Rachel décide de rivaliser avec Salar dans une course de moto et pendant la course, Salar croise à nouveau Zoni et casse son téléphone. Zoni gronde Salar qui lui propose de lui acheter un nouveau téléphone mais elle refuse et Salar se réjouit beaucoup et dit à son ami que Zoni est la première fille à le défier. Le lendemain, Salar essaie de présenter un nouveau téléphone à Zoni mais elle refuse et l'accuse d'essayer d'apparaître comme un jeune homme riche et après son départ, Salar demande à son ami d'essayer de convaincre leur collègue Gansu de mettre le téléphone dans le sac de Zoni. À l'université et à l'intérieur de la salle de classe, Zoni est assise sur le siège de Salar mais son ami lui dit que le siège appartient à Salar mais Zoni refuse de changer de place et après cela, Gansu arrive et met le téléphone que Salar a acheté dans le sac de Zoni et Salar la laisse assise sur son siège. Une fois les cours terminés, un groupe de filles essaie de harceler Zoni parce que Salar lui a permis de s'asseoir sur son siège, mais Zoni ne se soucie pas d'eux, puis Gansu essaie de la connaître parce qu'elle est heureuse que Zoni soit une fille audacieuse et elle a repoussé l'arrogant Salar. Zoni arrive à la maison et soudain, le téléphone dans son sac sonne et ses parents semblent surpris. Zoni répond à l'appel et parle à Salar, mais elle essaie de l'appeler par le nom de son ami Gansu pour que sa famille ne la soupçonne pas. Puis elle dit que Gansu a oublié son téléphone dans son sac et elle le lui rendra demain, et elle veut le rendre indirectement à Salar. Le lendemain, Zoni se rend à l'université et gronde Salar et lui rend le téléphone et après cela, Rachel arrive et demande à Zoni si Salar la harcèle mais elle part. Salar demande à son ami de trouver un moyen d'éloigner Rachel de l'université pendant plusieurs jours et demande également à Gansu de mettre une lettre dans le sac de Zoni, qui arrive à la maison et sa sœur lit la lettre. Alors que Salar s'excuse auprès de Zoni pour son mauvais traitement d'elle, et la sœur de Zoni admire son style. Le professeur dit à Rachel qu'il doit voyager plusieurs jours pour étudier et que tout a été planifié par Salar. En classe, le professeur dit aux étudiants que l'université annonce une bourse et que tous les deux étudiants devraient parler d'un certain sujet et il s'avère que Salar et Zoni sont dans le même groupe. Zoni demande au professeur de changer de groupe mais il refuse et à la fin, la fille accepte d'être avec Salar dans le même groupe mais à la condition de ne pas interférer avec son travail et lui dit que le sujet de la recherche est de trouver un moyen de vaincre la pauvreté et Salar lui dit que le moyen de vaincre la pauvreté est de distribuer de l'argent aux pauvres. Zoni demande à Salar pourquoi il participe à la bourse universitaire même s'il est un jeune homme riche. Salar lui répond en disant qu'il participe à la bourse pour être à ses côtés et lui dit qu'il est un bon jeune homme et lui demande de se rapprocher. Salar emmène Zoni se promener et lui demande de tendre les mains, de fermer les yeux, de se sentir libre et quand elle ouvre ses yeux, Zoni trouve Salar près d'elle et commence à l'admirer au fil des jours. Zoni parle à Salar de la nécessité de visiter les bidonvilles, Salar propose d'y aller en voiture ou en moto mais elle refuse et lui demande de prendre le bus. Salar monte dans le bus pour la première fois de sa vie, il ne peut donc pas monter à cause de la congestion. Puis Zoni descend du bus et les deux montent dans une petite voiture qui ressemble à une moto et atteignent les bidonvilles de l'Inde. Salar commence à photographier les gens et voit une mère qui essaie de s'occuper de son fils et se souvient de son enfance. Puis ses yeux s'arrosent et Zoni fait attention à lui. Salar appelle son ami et lui demande d'apporter beaucoup de jouets et les distribue aux enfants et pendant ce temps, Zoni prenait des photos de Salar et éprouvait de l'admiration pour lui. Le lendemain,
Salah appelle Zoni après avoir remis le téléphone dans son sac et Zoni lui demande pourquoi. Salah lui répond en lui disant qu'elle en a besoin parce qu'ils travaillent ensemble dans la recherche et qu'elle peut le casser après avoir terminé son travail avec lui. Après cela, les deux travaillent ensemble sur le projet et se rapprochent l'un de l'autre, et Zoni semble surpris par les actions de Salah alors qu'il commence à tomber follement amoureux d'elle. La nuit à la maison, Salah entend la voix de sa mère qui exigeait de son père que Salah vive avec elle et les deux se disputent car chacun d'eux préfère vivre avec Salah, qui est devenu très agacé avec eux. Le lendemain matin, Zoni découvre que Salah n'est pas allé à l'université, puis essaie de le chercher et demande à Gansu, qui lui dit que l'entreprise du père de Salah est celle qui a annoncé la bourse universitaire et qui la financera et le but de Salah de participer était de rester aux côtés de Zoni uniquement et lui dit également que Salah l'aime. Salah arrive à l'université et la trouve dans un état d'émeute et de chaos, et son ami lui dit qu'une voiture a tué un enfant et que les parents de l'enfant veulent détruire tous les biens publics pour se venger de sa mort. Salah court à la recherche de Zoni, qui était dans la bibliothèque et ne sent rien se passer à l'extérieur, puis Salah lui demande de sortir. Mais elle lui demande la vraie raison pour laquelle la bourse universitaire est organisée et à ce moment-là, un groupe de personnes entre dans la bibliothèque et ils veulent tuer quiconque s'y trouve. Les deux se cachent et il semble que Zoni ait eu peur, mais Salah la rassure, frappe les jeunes hommes et quitte les lieux avec Zoni, qui monte avec lui sur la moto. Pendant ce temps, Rachel est chez Zoni et raconte à ses parents les émeutes qui se déroulent à l'université. Puis ils vont chercher Zoni, qui arrive à la maison avec Salah et Rachel lui pose des questions sur la personne qui l'a ramenée à la maison mais elle ne répond pas. Le lendemain à l'université, l'ami de Salah présente une lettre à Zoni, qui se rend à l'endroit écrit dans la lettre et trouve Salah, qui lui a préparé une surprise, alors qu'il décorait la salle de fleurs rouges et lui avoue son amour et lui propose de l'épouser. Zoni accepte sans hésitation. Le père de Rachel se rend chez Zoni et propose également à ses parents d'épouser son fils à Zoni, et les parents de Zoni sont d'accord, mais ils lui disent que le consentement de Zoni doit être obtenu. Pendant ce temps, Zoni écrit une lettre dans laquelle elle avoue son amour à Salah, qui lui demande de lui avouer son amour en face et devant tout le monde. Zoni dit à haute voix qu'elle l'aime et soudain, Salah déchire la lettre et se moque d'elle en disant qu'un jeune homme comme lui ne peut pas tomber amoureux d'une fille comme elle parce qu'il a parié avec ses amis pour la faire tomber amoureuse de lui puisqu'elle l'a insulté et donc Salah lui a pris son droit. Zoni tombe souvent malade et le père de Rachel lui demande pourquoi, mais elle ne lui répond pas et pendant ce temps, Salah parle à Gansu, qui lui dit que Zoni est malade, mais Salah jubile et se moque d'elle parce qu'il a pu se venger d'elle. Gansu va rendre visite à Zoni et lui demande de retourner à l'université mais Zoni lui demande de rendre le téléphone et les papiers de la bourse à Salah. L'ami de Salah lui donne les objets et lui dit de rester à l'écart de Zoni. Rachel dit à Zoni qu'il est déterminé à l'épouser. Zoni dit à sa mère qu'elle accepte d'épouser Rachel mais ressent de la douleur et de la tristesse et sa sœur essaie de la calmer. L'ami de Salah l'appelle et lui dit que Zoni est à l'université, puis va la voir et essaie de l'ennuyer. Mais elle le gifle et Salah l'attrape par ses cheveux. Mais l'un des étudiants se moque de lui parce qu'il a été battu par une fille. Salah attaque l'étudiant et les deux se battent l'un avec l'autre. Après cela, Salah est en colère parce qu'il commence à se souvenir des moments de romance dans lesquels il était avec Zoni et il semble qu'il soit vraiment tombé amoureux d'elle et ne peut pas la sortir de sa pensée parce que l'égoïsme et l'amour propre l'empêchent de confesser son amour. Il boit beaucoup d'alcool et son père le gronde et lui demande pourquoi il est contrarié et lui offre de l'argent. Mais Salah répond à son père en disant qu'il l'a toujours acheté avec de l'argent et ne s'en est jamais soucié. Puis il pleure beaucoup et perd conscience. Rachel envoie une robe à Zoni et lui propose d'aller avec lui à une fête mais sa sœur essaie de l'arrêter. Lors de la fête, Rachel dit à ses amis qu'il épousera bientôt Zoni et l'une des personnes appelle Salah et lui parle de Rachel épousant Zoni. Salah se met très en colère et décide d'aller à la fête. Rachel force Zoni à danser avec lui mais elle le bête et comme Rachel était sur le point de la battre, Salah arrive et l'arrête et lui dit que Zoni ne l'aime pas. Après cela, Salah se tient devant la maison de Zoni pendant qu'il pleuvait et la sœur de Zoni la force à aller vers lui. Salah s'excuse auprès d'elle et lui avoue son amour pour elle et lui demande de ne pas épouser Rachel mais elle lui dit que le mariage aura lieu demain et elle ne pourra pas mettre fin à son mariage. Salah rencontre son père et sa mère qui lui disent qu'elle va chez Zoni et essaie de la persuader mais il refuse et lui dit que la fille qu'il aime l'a insultée et l'a fait détester. Pendant ce temps,
La mère de Zoni lui pose des questions sur Salar et lui dit que son père et sa mère sont à l'étranger en train de parler au père de Zoni, qui leur dit qu'il ne peut pas refuser le mariage de sa fille avec le fils de Monsieur Zaher et leur demande de parler à Zoni. La mère de Salar parle à Zoni et lui dit que son fils se comporte mal parce qu'elle l'a abandonné depuis qu'il est jeune et à cause de cela, Salar en est venu à détester toutes les femmes. Zoni pleure et dit à sa mère qu'elle épousera à personne de son choix pour elle. Lors du mariage de Zoni et Rachel, Salar buvait de l'alcool avec son ami et lui demande d'aller faire une course de moto. Gansu appelle Zoni et lui dit que Salar a eu un accident de voiture, puis sa mère lui demande d'aller le voir et Rachel semble être très contrariée par ce qui se passe devant lui. Zoni arrive à l'hôpital et entre dans la chambre de Salar et pleure beaucoup jusqu'à ce que Salar se réveille et se rende compte qu'elle s'est enfuie en robe de mariée et lui pose des questions sur Rachel. Zoni lui répond en disant qu'il n'y a personne qui les sépare. À la fin du film, Salar épouse Zoni et gagne son amour malgré son humiliation et son harcèlement tout au long de ses études à l'université car les sentiments amoureux sont plus forts que tous les autres sentiments humains.